peut-être que y a une relation terrestre de la famille sont très fortes. T'as besoin de gêner, moi t'as besoin de ma casse. Amen. T'as besoin de gêner. Voilà, c'est donc il. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis quand vous gênez. Il y a seulement 8 ans, vous il n'a pas dit si vous gênez. Alors maintenant que son qui vous occupe. Les chrétiens doivent gêner. Le Seigneur m'a dit là. Et moi, je conseille dans mon église. On a toujours un jour et un jour de gêne pour l'église. Chaque semaine. Parce que là où nous sommes, parce que ce qu'on a, déjà ne prie pas comme ici. Si nous ne gênons pas, et nous ne prions pas, le monde nous envahit. Amen. Vous allez avoir l'argent. Oui, non, vous allez avoir l'argent. N'étant pas la prison de chasser un démon. Quelle tragédie pour un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gêner, c'est important. Qu'on les attire. Alléluia. Amen. Si les choses ne bougent pas, ce n'est pas qu'on la soupe. Il faut gêner. Qui là? Et prier. Ça met là. Et quand vous faites un gêne collectif, tant va prier, ça doit rester au milieu de votre collectivité. Et c'est le souk à qu'est-ce que vous allez. Si c'est l'église, c'est il ne va pas dire aux gens de haut de l'église, nous gênons l'église. Quand ça va tellement être ton gêné. Je vois même les apocalypses qui disent, mais là, bah, quoi, nous allons gêner pendant une semaine. L'humiliation devant Dieu. Et ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est vraiment qui est le plus important. Et ça va un peu de pair avec le louange. C'est la confession de la parole de Dieu. Et ça dit qu'on dit mal devant Dieu. Donc, confession de la parole. Déclaration de la parole. Contact qu'on a le droit d'amener. Amen. Amen. Le psaume ça, il s'est dit. Psaume ça, c'est de l'eau. Il a envoyé sa parole. A dit qu'il est là. Et sa parole est guérie. Mais il le dit ça, il va voir. Amen. Amen. Confessez la parole. Devant les situations. Non, mais quand vous amour. Amen. Amen. Ça, si vous le faites, ce vous allez amour. Dans votre prière, dans les mots vous proclamez la parole. Vous êtes sur les circonstances. Non, mais quand sur la maladie de l'enfant. Non, mais là, sur ton état de stérilité. Non, comme vous avez vous proclamez la parole. Non, mais quand vous êtes sur les circonstances. Je suis guéri. Et non, mais pas dans la vie, ça m'a qui va te guérir. Au moment de la. Et quand on proclame la parole, dans ton état de la vie, c'est quelque chose dans le monde spirituel. Et ça, ma camarade, ma camarade. Le paix de l'esprit. Ma camarade. Le paix de l'esprit. L'épée de l'esprit est en train d'agir. Et ça, ma et l'ennemi est détruit. Amen. Amen. C'est ça la chrétienté, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu ajoutes, c'est, par exemple, quelqu'un qui est en train de prier, tu as fini la prière à l'église. Le pasteur a prié pour toi. J'avais la foi à ce moment-là d'être guéri. Et des fois même tu es guéri. Et tu vas à la maison, Satan veut te tromper. Satan est comme ça. La seule manière de résister, c'est en déclarant la parole de Dieu. Amen. 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 Déclarer la parole de Dieu. C'est pour vous. C'est pas pour nous seuls. C'est la parole de votre Père. C'est pour vous que nous soyons victorieux. Alléluia. Amen. Donc il faut déclarer la parole de Dieu. Il ne faut pas déclarer la souffrance. La souffrance est encore là. La souffrance est retournée. Oh, regardez-moi, je suis venu voir le médecin, on a prié pour que tu ailles voir le médecin. Il m'a dit que tiens, une boule ici. Et puis chaque soir, tu te pleures sur la boule. Comment on est la boule là? Amen. Amen. Je n'infuse pas qu'on doit voir le médecin. Je suis médecin moi-même. Avant d'aller voir le médecin. Priez. Avec foi. Demandez la sagesse. Que Dieu lui donne la sagesse. Les diables peuvent l'utiliser. Satan a conseillé là. Et pour te nuire en erreur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Déclarez la parole de Dieu. L'enfant qui est avec toi. Écoute, les adolescents ont toujours des problèmes. Il est à 15 ans. Il a fait des choses qui ne sont pas correctes. Et toi, maman, yo, maman, tu lui dis simplement, tu ne seras jamais avec personne de toi. Yo, ko, la bien, te, yo. Tu vas toujours rester comme ça. C'est les malédictions que tu as battues sur ton enfant. Il faut appeler ton enfant, parler tranquillement, mettre la main sur lui, Chaloboko. Et bénir. Déclare la parole. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Entre. Et le démon est rejeté quand il entre. Il
Et tu le donnes au sorcier. Et demain tu étonnerais que ton enfant est sorcier. Bénissez les enfants. Bénissez les enfants. Bénissez les maris. Bénissez les épouses. Bénissez votre ville. Bénissez les autorités. Et quand vous bénissez les autorités, Dieu fait quelque chose. Si vous les maudissez, vous avez le résultat de ce guerre. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Et dans votre bouche, soit le songe de la bénédiction. Amen. 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 Il y en a qui écrivent un livre de lamentation. Amen. Ça ne change rien, ça. Rien du tout. Amen. Consultez-toi, enfant de Dieu. Et utilise la parole de Dieu. Salut là, le Banzambe. Et déclare la parole de Dieu. Et tâtez le Banzambe. 6% de la vie. Na makamunyo sere Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Les quatre ingrédients. Et l'autre, ça c'est le sujet. Je vais faire un séminaire d'une semaine sur ça. Oui, on a conseillé un séminaire. Mais c'est quelque chose de très important. Et ça va cambotine. Amen. Amen. C'est avoir l'amour dans son cœur. Et c'est quoi ça la bonne la beauté. Amen. Amen. Pour nous qui prions pour l'argent, si je n'ai pas la compassion pour vous ici, si je n'ai pas la compassion pour vous, Dieu ne fera rien. Si je viens simplement pour vous livrer le message de Dieu et partir, si j'ai prié la nuit et les jours du Seigneur, bénis ton peuple, moi je ne suis rien, il va le faire. Amen. Les chrétiens, hein, pour que ta prière soit puissante, tu dois avoir une fruit d'un véritable amour. C'est que c'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Amen. Qui connaît le texte de 1 Corinthiens 13? L'amour pardonne tout. Qui connaît le... Non, pas Céleste. Qui connaît le texte de 1 Corinthiens 13? Amen. 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 Mais ça continue. Et bien, qui c'est ma campagne? Ça signifie simplement. Et lobby. Je peux avoir le don de prophétie. Moi, j'ai le don de parler la langue. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne. Mon don il est bien, mais il n'est pas puissant, parce que l'amour n'est pas là. Et c'est la prophétie la même chose. On prophétise à l'église, et mais si on n'a pas l'amour, cela vous sert de rien. Mais tu peux prendre aussi ta nourriture, tes frères. Chaque dimanche, je vais apporter la nourriture ici. Amen. Si ce n'est pas l'amour, cela ne sert de rien. Amen. Amen. Parce que tu as du travail à faire. Parce que 1 Corinthiens 13, ça c'est quelque chose de très important. Si vous êtes une église surtout qui est remplie de dons, et si l'amour n'est pas là, vous allez dévier. Jésus a dit, tu as guéri des malades à mon nom, tu as chassé les démons à mon nom, mais je ne connais pas. Vous comprenez cela? C'est le manque d'amour, mes bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'amour dit, l'amour est patient, la charité est patiente. Il est plein de bonté. Et il est plein envieuse. Elle ne se vante pas. Elle semble plein d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et quand on a voté, pour ceux qui voient des rêves, les rêves sont très symboliques. Amen. Amen. Les visions sont plus proches quand j'ai plus de voir, les gens sont plus proches de la réalité. Tu as fait un rêve, tu commences à soupçonner quelqu'un. Celle-là, c'est la sorcière. Amen. Qui n'est plus de l'amour. L'amour. Amen. 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 Celui qui a l'amour fait soi. Fait quoi? Il va commencer à gêner. À prier pour la personne. Pour connaître plus. Parce que si tu traites quelqu'un de sorcier, et qu'il ne l'aime pas, on va s'en compter. Et quelle tragédie pour toi. Ah, quand il a quelqu'un de l'amour.
La chrétienté de la peur aujourd'hui. Les gens qui vont dire qu'on mange à l'élo. Vont créer beaucoup de problèmes. Et que le monde va pas camouflé. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas les résultats. Alors moi j'ai envie d'annoter. Quand tu rêves, je refuse pas les révélations. La fête ici, bah et bon ici. J'en parle tout le temps. Dans mon lieu, sur mon lieu, ailleurs. La carte de Botanga. Aujourd'hui, j'ai prié pour toute ma belle famille. Les gens en avant de la pour la famille à moi c'est là. Amen. Amen. Parce que j'ai l'amour. Pour la les problèmes réels. Le matin, mais dans l'amour, c'est alors que je vais arracher les autres des royaumes des diables. Et c'est amen. Amen. Ne soupçonnez pas. Quand il va y battre, c'est pour 1 Corinthiens 13. Il y a moins 1 Corinthiens 13. Vous devez les connaître par cœur. Parce que quand il va y avoir un motem, des fois vous voulez la puissance. La puissance à l'amour. La bolivie de l'angouya est très dangereuse. Kéba. Et c'est ça la vraie délivrance. Était rempli de l'amour de Dieu. De la grâce du Seigneur Jésus. Et tu verras que maintenant, quand tu es rempli d'amour, qui parle aux démons, ils ne vont pas. Amen. Parce que l'auteur de la haine, c'est qui? C'est pas Dieu. Amen. La Bible dit quand tu as une racine de dispute en toi, ne te réjouis pas. C'est cette sagesse que tu as. Cette sagesse que tu as, ce n'est pas de Dieu. Elle est terrestre. Et dans mon kilo, diabolique. Il y a des livres, ma belle. Chaque fois que tu crées des zizanies, on sent qu'il y a mon boulot. Amen. Amen. Quand j'ai prié pour les églises, dans la bonne époque, dans mon où Jézabel se manifeste, Jézabel a son sala. Il faut des fois attraper les prophéties. Il y a les prophéties. Il y a les personnes qui prophétisent. Mais ma belle, il y a mon sala. Pas rempli d'amour. Le bâton de la bonne côté. Imposer les prophéties des gens. Cet esprit n'est pas de Dieu. Amen. 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 Je reçois, quand j'ai une prophétie pour quelqu'un, c'est quelque chose de grave. Je vais lui parler tranquillement. Avec amour. On va trouver une solution. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi l'amour parfait. Bannis toutes craintes. Si tu vis dans la peur, tu n'as pas l'amour. Amen. Amen. La tente ne fait rien. Mais si toi tu fais le péché, Dieu est sur le sol en assoumé la santé. Maintenant tu veux éviter contre les sorciers. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Demeurez du côté de Dieu. C'est que l'amour pas d'être amen. Alléluia. Amen. L'amour c'est un ingrédient important de la prière. Jésus était rempli de compassion. Et il priait les malades. Il voit la veuve avec son mort qu'on porte. Il prie. La Bible dit il eut compassion. Amen. Amen. On dit que Lazare est mort. Jésus pleura. Et il a rejeté Lazare. Si ton père est insensible, les problèmes des autres de l'église, ce n'est pas ton problème. Ça va la misère des autres. Ne trompe pas la vérité. Cet esprit-là n'est pas de Dieu. Il doit te repentir et venir vers Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Satan peut nous amener tranquillement à une insensibilité du cœur. Amen. Amen. Ce cœur-là n'est pas de Dieu. Le cœur des sociétés, c'est insensible. Et toi qui es à l'église, ton cœur aussi est insensible. Amen. Ha. Le matin, tu es dans ton coin, tu achètes ton pain, tu manges seul dans la chambre, ta petite sœur n'a rien. Il y a un problème. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est la parole, c'est une parole d'encouragement, mes bien-aimés. Hein? Pour être rempli de l'amour de Dieu. Pour toi, tu vas prier simplement. Seigneur, mon cœur est insensible. Remplis-moi de ton amour. Je sens que je n'aime pas les gens. Remplis-moi de ton amour. Qui va te remplir? Alléluia. Amen. Et nous, tu vas faire la vraie prière après. Et ta requête après. Et tu vas user des violences maintenant. Tu vas amener le royaume de Dieu vers toi. Toi qui es déjà